Loubiana, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Culture Club. Bah merci hein, pour l'invitation. Alors toi tu es chanteuse et t'as sorti il y a pas longtemps un premier album qui s'appelle Beloved. Pourrait traduire par bien aimé, être aimé. Bref, t'as sorti un album rempli d'amour. Du coup, est-ce que ça te dit qu'on se fasse une interview pleine d'amour? Ah ouais, let's go. C'est quoi pour toi la meilleure chanson d'amour? In a Sentimental Mood de Sarah Vaughan. In a Sentimental Mood. C'est la première chanson qui m'a fait tomber en amour pour le jazz, pour la musique en général. I can see the stars come through my room. C'est quoi ta comédie romantique préférée? Bah, de Notebook. Je vais à le bas, genre bah. C'est... Bien sûr. Bah, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est une histoire d'amour trop belle. Ah, ça commence à faire mal. Alors accroche-toi, gros idiot. Pas avant qu'elle ait dit oui. Allez, sors avec lui, bon sang. Ok, je vais le faire, je vais sortir avec toi. Oh, ne me fais pas de faveur, je t'en prie. Non, c'est ce que je veux vraiment. Oh non, je chiale tout le long, moi. C'est quoi le plat parfait pour un dîner en amoureux? Il y a deux plats que j'adore. Soit c'est les pâtes au ketchup, ou alors les pâtes aux truffes. Sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal? Donc c'est toujours basé sur les pâtes. Disons que les pâtes aux truffes, je sais pas les faire, donc il faut aller au resto. Mais si tu viens chez moi, là je peux faire des pâtes. Accompagnées de ketchup! Est-ce qu'il y a une série que t'aimes d'amour? Bah, est-ce que c'est une série? On peut dire c'est une série parce qu'il y a plusieurs volets. Mais Harry Potter, à Noël, c'est un must. Voilà, je me les refais tous. Quelle mauvaise habitude tu pourrais supporter par amour? Je crois tout ce qui est autour du bordel. Vu que je suis un peu bordélique, j'accepte que la personne avec qui je partage ma vie soit bordélique aussi. Ah, t'as dabé maintenant. C'est quoi l'endroit parfait pour une escapade en amoureux? J'ai fait le Grand Canyon. Tu n'as pas regardé le Grand Canyon? Ah oui. T'as vu? J'ai vu. Extra, on y va. Mais sinon, la forêt de Soigne, c'est pas mal. C'est différent, c'est pas le même... Voilà. Est-ce que t'as aimé d'amour cette interview? Oui. Bah oui. Merci beaucoup, on a parlé d'Harry Potter, de Notebook, de pâte au ketchup. Bah, c'était parfait, quoi. Merci, Loubiana. Merci à toi. Des bisous. Bisous.